Salut, c'est Biloulette. Alors, nous voilà repartis dans Maman Craft, épisode 9. Alors, écoutez, bon, bah, j'ai attendu que la nuit passe préalablement, donc je suis redescendue dans la caverne pour prendre un peu de redstone, parce qu'en fait, je pense que le mieux pour rentrer, ça va être de se faire une boussole, parce que comme je suis une prune au niveau des directions, je vais juste nous paumer sinon. Alors, comment on fait une boussole? Eh ben, je crois que c'est, si je me rappelle bien, ah, non mais c'est peut-être pas ça, c'est peut-être ça, c'est ça, voilà. Donc vous mettez le fer comme ça, en hexagone, non, enfin bref, comme ça quoi, hein, et au milieu vous mettez la redstone et vous avez une boussole. Donc cette petite boussole, elle a un gros avantage, c'est qu'elle va vous indiquer le point de spawn. Donc vous voyez, l'aiguille, elle tourne. Hein? Vous voyez l'aiguille rouge là? Elle tourne. Donc quand vous allez tout droit, vous allez en direction de votre point de spawn. Voilà, donc je vais récupérer mon atelier et on va rentrer à la maison. Alors. Donc là, l'idée, c'est d'aller tout droit. Ah, par contre, tiens, attendez, parce que je m'étais mise en peaceful hein, pour redescendre dans la grotte. Parce que j'avais pas du tout envie de me battre pour aller chercher juste de la redstone. Donc voilà. On est parti. Tiens, il y a un petit peu de charbon là. Si ça vous dérange pas, je vais le prendre. J'ai l'impression que les sons du jeu sont extrêmement forts. Hop. Voilà, on va le prendre le petit bout de charbon parce que. Puis ça va, il est tôt. Donc je viens de dormir. On a encore la journée devant nous. Je suis ressortie, il faisait nuit. Donc du coup, je me suis fait un lit. Et j'ai fait un petit dodo. Tranquille. Pour pouvoir repartir 2 jours. Tiens, là il y a des vaches, on va les prendre pour le cuir. Super. Quoi, j'ai plus de place. Hop. Voilà, je vais reprendre le petit bout de charbon qu'il y a là aussi. Attendez, j'ai oublié de mettre mon compteur. J'ai pas de tête, Alouette. Elle a pas de tête, Biloulette. Alors voilà, bon, 2 petits bouts de charbon, ça fait pas de mal. Alors, la boussole, elle dit quoi? Elle dit que je vais pas. Vous voyez, hein, je suis vraiment. Je viens de là et je repars dans l'autre sens. Non, mais c'est juste n'importe quoi quand même. Quand même, la pauvre fille. En plus, normalement, je suis pas loin. Hein. Parce que on n'était pas allé loin pour se faire cette caverne. Ben voilà, donc je suis tout droit et je vais atterrir chez moi. Tiens, je vais en profiter. Ah bah ben voilà, oui. Ben d'accord, j'étais vraiment à côté. Ben, je voulais prendre du bois, mais j'ai plus de. Bon, c'est pas grave, je vais casser à la main. Reprendre un petit peu de bois. Je sais plus si j'en ai d'avance à la maison ou pas. Donc, comme on va continuer un petit peu la déco, je préfère en avoir suffisamment pour continuer. Voilà. Alors, vous savez que je suis absolument ravie de voir que il y a effectivement des mamans qui se sont mis à Minecraft suite aux épisodes de cette série. Vraiment, ça me fait un plaisir. Vraiment réel et je trouve ça juste génial quoi. Je suis trop contente que ça ait pu vous aider les mamans à vous y mettre. Et je pense que maintenant que vous avez commencé, vous devez comprendre pourquoi je trouve ça génial de jouer avec ces enfants et de partager ça avec eux. Alors je sais qu'il y a aussi des papas qui s'y sont mis, des papas, des sœurs et des frères. Non, pas l'eau, voilà, plutôt la laine. Donc je trouve ça génial de pouvoir
vous y mettre en famille comme ça, tous ensemble. Ah, j'ai cru voir. Ah, bah, y a des vaches là, c'est cool. Cool. Donnez-moi du cuir, les petites mépettes. Voilà, c'est bien. Cool. Vous m'en donnez plein, c'est gentil, les filles. Donc voilà, donc en fait, je trouve ça juste génial que vous partagiez ça avec vos enfants et que vous ayez pu faire cette démarche-là de jouer à ce jeu que moi je trouve vraiment génial. Et puis bon, ça fait du bien hein, quand on s'est occupé de la maison, des enfants ou du boulot, de rentrer à la maison et puis de pouvoir se faire une petite pause tranquille, se détendre devant un jeu où on se retrouve à pouvoir jouer à Peter Pan. Moi, je trouve ça génial. Alors, encore un petit arbre. Pourquoi j'ai l'impression que les sons du jeu sont si forts alors que je suis qu'à 28%? J'espère que ça va pas vous péter les oreilles. Parce que normalement, à 28%, je devrais pas être trop forte. Ok. Bon, alors, vous savez que je vous fais tout faire avec moi, hein, parce que déjà, c'est une série un petit peu tuto. Et puis parce que, bon, bah voilà, Minecraft, c'est aussi ça, hein, c'est aussi prendre du bois, miner, faire des choses qui sont pas forcément toujours super drôles et intéressantes. Bon, enfin, moi, je sais que ça me gêne pas de prendre du bois ou de miner, ça me détend. J'aime bien. Et puis bon, hein, on en a besoin, de toute façon, on n'a pas le choix. T'es pas un gros, toi. On n'a pas le choix. Donc. Voilà, puis après, on va remonter à la maison tranquillement pour poser un peu tout notre stuff, tout ce qu'on a récupéré dans la caverne. Et. Voilà, donc on n'a pas rencontré de Slim dans la caverne. Hein. Vous avez vu les petits cubes verts là qui. Ça c'est ma première maison. Les petits cubes verts qui font splash quand ils se déplacent. C'est un vrai gruyère cet endroit. Allez hop, à la maison. Bon, ça va être sympa quand on va être en maison suspendue. Parce que vous voyez le plateau, le grand plateau du bar, hein, il va partir. Donc on va vraiment être en suspendu. Ça va être joli. Enfin, j'espère. J'espère que ça va être joli. Je pense qu'on peut se faire un chouette délire là, là-dessus. Hop. Alors. Par où je montais moi d'habitude? Je m'étais fait pourtant une sorte d'escalier. Oblin. J'espère qu'il n'y a encore pas un creeper qui va m'attendre à la maison. Non. C'est bon. We're at home. Bon, attendez, faut que je revérifie le son du jeu parce que j'ai trop l'impression que je perds un tympan à chaque fois que je fais quelque chose. Mais c'est pas possible à 23%, ça. Je vais regarder aussi tant que j'y suis. Non, c'est bon. Hop, donc, c'est parti. Alors, est-ce qu'on a des choses à faire cuire? Oui, de l'or. Et du fer. Ah ben c'est cool. Pourquoi j'ai repris du cuir? Moi, je vais avoir de quoi. Bon, c'est pas grave. Je vais avoir de quoi me faire une armure. Donc, on va ranger tous nos trucs. Hop.
5 diamants. Alors ça, c'est juste génial. Ça, c'est juste génial. Je vais remettre ici du charbon et on va se faire du matériel en diamant. Donc on va se faire surtout une épée en diamant, hein. Donc c'est exactement le même pardon, hop, exactement le même que pour les épées normales, hein. Hop, voilà. Mais ça change tout. Ça change tout. Il m'en reste 3. Bon, j'ai pas envie pour l'instant de l'utiliser pour une pioche. Je vais les mettre à l'abri. Ça, j'en ai pas besoin. Donc mon bois, c'est bon. Ça, le flint, je vais pouvoir me faire des flèches. Combien j'ai de... J'ai pas beaucoup de quoi me faire des flèches. Et je n'ai pas de quoi faire du flint. J'aurais dû prendre des graviers. Bon, c'est pas grave. On va ranger tout ce dont on n'a pas besoin. Ok, ça j'en ai plus besoin, ça je le garde. J'ai tout ça, c'est bon. Bon, bah écoutez, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal, je range un petit peu. Ah, il faut que je me fasse une... Ah ben non, j'en ai. Voilà, pour récupérer du bois. Ok, bon. Je range mes petits trucs. Et voilà. Eh ben écoutez, il fait nuit, donc on va redormir pour passer la nuit. Voilà. Moi, je ressors encore à l'extérieur. C'est intéressant. C'est intéressant. Bon, mais il n'y a pas de méchants dans les barrages. Alors, on en était où ici? On en était où? Vous savez, ce que j'ai envie de faire, c'est d'aller chercher encore un petit peu de bois, en fait. Parce que je n'en ai pas assez pour continuer. Donc on va redescendre un petit peu, se chercher du bois. Et d'ailleurs, on va s'occuper aussi de faire un escalier ici, parce que ce serait quand même plus pratique quand on veut descendre. Alors toi, t'es un gros, je vais te laisser. Voilà. Alors attendez, je coupe 2 secondes. Re. Donc. J'en étais à prendre du bois. Alors. Voilà. Et puis après, bah, écoutez, dans l'épisode prochain, on reprendra un petit peu. La déco, enfin l'aménagement, parce qu'on n'en est pas encore à faire la déco, juste l'aménagement de notre maison. Voilà. Je regarde un peu à droite à gauche, histoire que je ne me prenne pas un creeper dans le dos. Parce qu'ils sont sournois, ces petits creepers. Hein ? On les entend pas, puis tout d'un coup, alors que les zombies vous préviennent, ils font donc au moins bon, les squelettes on les entend pas trop, mais j'ai vu, hop. Mais il y a du charbon. Ah bah tiens, une flèche, cool. Du charbon partout ici, c'est une carte incroyable au niveau du charbon, c'est cool. Non, pas comme ça. Ah, on va pas laisser perdre. Franchement. Franchement, on va pas laisser perdre. Hein. Hop. Voilà. Bon, bah écoutez, ça faisait un petit moment que je ne m'étais pas retrouvée sur la carte de Maman Craft. Parce qu'avec les vacances chez Pims, c'était un petit peu compliqué de s'organiser.
Donc tout va rentrer dans l'ordre d'ici peu. Alors par contre, après, il va y avoir les vacances. Donc vous ne le savez pas encore, mais je pars 15 jours du 1er au 15 août. Et alors là, ça va pas du tout être comme quand je suis partie en Corse. Parce que là où je vais, eh ben, il n'y a pas Internet. Donc il n'y aura pas d'épisode du tout pendant 15 jours. Et je ne pourrai pas du tout venir non plus papoter avec vous, répondre aux commentaires de chaîne, aux commentaires d'épisodes ou répondre à vos mails, parce qu'en fait, je n'aurai pas Internet. Donc je pense même que je vais désactiver les commentaires pendant cette période sur la chaîne et sur les épisodes, parce que sinon ça va être ingérable. Quand je vais rentrer, je vais me retrouver avec 2500 notifications de mail. Donc du coup, je pense que je vais désactiver tout ça, mais donc je ne serai pas du tout là pendant les 15 jours. Mais enfin bon, écoutez, hein, c'est les vacances. Ce que je sais, c'est que vous allez me manquer, ça c'est sûr. C'est la nuit qui tombe là. Ah non. Ça va me manquer de ne pas être avec vous, mais ça va aussi me faire beaucoup de bien de me poser un petit peu sur autre chose et puis d'être en famille, de profiter de mes petits loups, de mon grand loup. C'est quoi qui marche? Hop, c'est la poule qui marche. Tiens, ça aurait été sympa de se trouver du gravier pour se faire des flèches. Alors, tiens, ça, c'est de la glace. On n'avait jamais vu ça ensemble encore. Quand vous marchez dessus, vous glissez un petit peu. Ça se casse. Si vous mettez une torche à côté, ça fond, normalement, au bout d'un certain temps. Voilà. Oui, c'est la torche qui fait fondre la glace. Alors faut se méfier parce que quand on est dans l'eau, qu'on est emprisonné sous la glace, bah, c'est un petit peu comme dans la vraie vie, hein. C'est un peu la misère pour remonter. C'est un peu la misère. Et donc ça, c'est la neige. Donc la neige, pour la récupérer, vous faites avec votre pelle comme ça et vous récupérez des petites bouboules de neige. Voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, on va remonter tranquillement à la maison. Et puis, on se reprendra dans un épisode prochain. Voilà. Maison. Maison. Bon, et puis, il va falloir que je cherche du gravier pour faire du flint. Donc le flint, je vous rappelle, c'est l'élément qui, mis à côté d'un morceau de bois et d'une plume, vous donne des flèches. Voilà, bon bah écoutez, le soleil, bah voilà. Le soleil va se coucher. Donc on va rentrer pile poil au bon moment. C'est par là chez moi un peu, hein. Voilà. Hop, comme dirait Pims. Hop. J'ai entendu grogner. Bon, bah écoutez, avec ce joli coucher de soleil, je vais vous dire à bientôt pour la suite des aventures de Maman Craft. Allez, bye bye!